Alors les amis, on va parler de sexualité consciente. Donc avec Sylvain, on parle de beaucoup de sujets, de communication, de plein de choses. Je l'ai rencontré à travers les cartes Métatron. Donc là, on fait une vidéo sur la sexualité consciente, ce que vous devez savoir en tant que femme, sur votre corps, au niveau de la conscience, en tant qu'homme aussi. Est-ce que tu peux te présenter? Parce qu'en fait, toi, tu es à la base dans les arts martiaux, sportif de haut niveau. Donc, c'est vrai que je suis issu du monde des arts martiaux chinois, donc plus précisément ce qu'on appelle le Kung Fu Wushu. J'ai été champion international en 2001, j'ai été multiple champion de France, j'ai fait partie de l'équipe de France pendant des années et je suis devenu aussi entraîneur des équipes nationales dans le Kung Fu. D'accord? Donc, je suis aussi un préparateur physique de haut niveau. Et donc, c'est vrai que dans le cadre des préparations physiques, on doit prendre en compte le bien-être mental, émotionnel, énergétique de nos athlètes. Et le sujet de la sexualité, c'est véritablement un sujet dans le cadre sportif, entre autres, qui est véritablement un sujet ben, soit qu'on occulte, soit qu'on met trop en exergue, qu'on met trop en avant, mais qu'on ne respecte pas non plus le participant. Par exemple, un truc tout bête, le cliché lambda, il est évident qu'il ne faut jamais faire l'amour avant une compétition. Oui, les sportifs d'ailleurs, les footballeurs, les équipes de France, pendant un mois, en tout cas pour une Coupe du Monde, ils ne doivent pas voir leur compagne pendant un mois pour éviter bon, déjà pour éviter les désaccords, hein, et puis pour d'autres raisons que tu vas nous exposer. Exactement. Donc on peut comprendre que le terme, la notion de la sexualité dans le cadre du sport à haut niveau est véritablement un sujet que nous devons maîtriser, comprendre, connaître. Et ça veut dire que nous devons aussi rassurer, éduquer, magnifier. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que le rapport sexuel soit plutôt mis en beauté. Parce que nous avons Tu peux beaucoup de... clarifier ce que veut dire magnifier? Alors... Bah, tu sais pourquoi je te demande, donc. Alors, souvent, quand on a quelque chose qui est véritablement beau, magnifique, mais qui sort un petit peu de notre cadre, on va dire, d'acceptation mentale. Je vous donne un exemple. Nous sommes tous dans une culture plus ou moins spirituelle, religieuse. Et en fonction de notre culture religieuse, nous allons avoir donc des principes et des paramètres qui vont nous mettre dans un cadre pour justement respecter ça. Donc, on va parler souvent de notions de fidélité et on va parler souvent de notion de ne pas faire l'amour avant le mariage, par exemple. Ce qui est très important à comprendre, c'est que lorsque on rentre dans ce système d'éducation, et je ne critique pas, d'accord, mais il se passe un phénomène très particulier, c'est que ça nous bride mentalement. Pourquoi? Pour rester en conformité avec ce qu'on nous a enseigné, éduqué dans notre sphère culturelle. Et nous, du coup, lorsqu'on commence à sortir de ce cadre-là, il se passe un phénomène très intéressant, qui va donc être la notion de beauté. Et lorsque la beauté dépasse notre entendement, il se passe un phénomène très intéressant à comprendre, c'est-à-dire que on n'est plus aligné avec ça. Ça sort de notre compréhension. On va créer même ce qu'on appelle un conflit. Mais ce conflit, comme on n'arrive pas à le générer, au-delà de créer un état émotionnel, ça va créer comme du blanc dans la tête. Et devant nos yeux, ça va apparaître devant nos yeux comme étant blanc. Mais en fait, ce n'est pas du blanc, c'est de la lumière. Ça veut dire que ça va apparaître comme lumineux. La notion de magnificence, donc de magnifique, c'est la notion de pouvoir mettre quelque chose de très beau, très lumineux, presque éblouissant, comme si c'était impossible à voir. Nous avons deux facultés, soit le fait de ne pas pouvoir réellement le voir parce qu'on ne l'accepte pas, soit parce que c'est trop lumineux. Pour certains, le mot ce sera trop beau. Pour d'autres, juste trop lumineux, impossible à comprendre ce que l'on voit. En fait, on le voit très clairement. Même si c'est très lumineux, ça se voit très clairement. C'est juste que cette beauté n'est pas compréhensible par notre cerveau. Parce que notre cerveau, pour lui, on sort de ce champ de beauté, on a défini déjà au préalable notre beauté, et là, on l'a complètement explosé le plafond. Donc ça crée ce qu'on appelle un voile blanc dans le cerveau qui se répercute dans les yeux, et dans nos yeux, ça fait de la lumière. Donc waouh, un blanc, c'est lumineux, c'est magnifique, c'est tout blanc, c'est juste qu'on ne sait pas comment le gérer, cette notion de magnificence. Et là où c'est très intéressant pour nous, c'est de comprendre que dans le cadre sportif, eh bien, on est donc dirigé entre autres par notre système culturel. Et donc, on va effectivement occulter le côté sexuel et on va essayer d'y mettre véritablement un point d'honneur pour limiter, on va dire, ce qu'on a. Échange d'énergie ou... Voilà, l'échange d'énergie, le multiple partenariat et ce que certains appelleraient la débauche. Nous, en tant que femmes, on est capable de reconnaître si le partenaire, avant qu'il se passe quoi que ce soit, est bon pour nous. Et les hommes aussi ont ce radar-là. Et actuellement, les personnes sont tellement coupées d'elles-mêmes qu'en fait, elles ont besoin d'expérimenter pour s'apercevoir. Ou alors, tout à l'heure, tu disais qu'au moment où une femme
va coucher un homme, elle est capable de savoir si c'est une bonne personne ou pas, et pour autant, elle va rester ou pas rester. Exactement. En fait, ce qui est très intéressant à savoir, c'est que la femme a un peu plus de 16,8 millions de capteurs sensoriels au sein de son vagin. Et nous, les hommes, on a 780 capteurs à peu près autour du gland. D'accord? Je vous parle crûment parce qu'on est des êtres humains, il n'y a pas de raison de... J'espère qu'on ne va pas être censuré. C'est vous, les femmes, un véritable détecteur humain. C'est-à-dire que vous pouvez savoir qui nous sommes. Donc, c'est vrai que nous, on peut jouer les beaux, on peut jouer les pans, on peut vous séduire par notre parole, par notre charisme, par nos muscles, par tout ce qui reflète ce que vous idéalisez de l'être humain, de l'homme, entre parenthèses. Mais une fois que vous nous avez eu entre vos jambes, vous nous checkez. Et les femmes qui sont connectées à cette réalité, vous pouvez de suite savoir si à la fin du Covid, écoute, mon gars, c'était génial, on s'est éclaté, mais par contre, ciao, on ne se reverra pas. Parce que vous avez senti qu'au final, ce n'était pas du tout l'individu qu'il fallait. Quand on est véritablement connecté, nous aussi les hommes, lorsqu'on développe un petit peu ce côté féminin en nous, parce qu'on a tous un équilibre, eh bien nous aussi, nous avons cette faculté, nous pouvons donc savoir à l'avance si avec tel partenaire, nous pouvons copuler ou pas. Parce que véritablement, il y a un échange d'énergie. Souvent, quand on n'est pas capable, ce qu'il faut faire, ben, c'est tester. Malheureusement, c'est tester. Et une fois testé, on peut sentir rapidement si l'individu avec qui nous avons partagé ce moment intime, eh bien, il est à reproduire ou de suite à arrêter. De toutes mes recherches que j'ai pu faire en tant qu'indépendant, d'accord, il est évident que mon souci, c'était de comprendre à la fois déjà ma propre vie en tant qu'athlète, mais aussi la vie des gens que je coachais, que ce soit des hommes ou des femmes. Il faut que je sois à leur écoute en permanence. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y a trois catégories. Nous avons le point numéro 3, un petit peu comme un podium. Le point numéro 3, le point numéro 2 et le point numéro 1. Alors, le point numéro 3, comment pouvons-nous savoir quand l'individu, il est bon pour nous? Si on n'arrive pas à créer ce qu'on appelle ce ressenti énergétique, champ magnétique, que nous émanons naturellement, hein, nous sommes des êtres humains vivants, donc nous avons ce champ magnétique qui rentre en relation, et donc on peut savoir, en présence d'une ou d'une autre personne, si en restant avec elle, on peut rester plus longtemps, ou si déjà elle nous pompe notre énergie et ça nous sature parce qu'on est fatigué. Et soit on s'en rend compte quand on part tout de suite, c'est-à-dire enfin, quand on part quelques heures après, on se dit « punaise, mais je suis fatigué. » Ah ouais, je suis fatigué, des trucs comme ça. Et, oh là là, pourquoi je suis fatigué? Et on ne comprend pas pourquoi on est fatigué. Et souvent, « punaise, mais je suis en pleine forme. » Mais pourquoi je suis en pleine forme? Et ça s'explique. Bon. Le point numéro 3, généralement, c'est la personne avec qui vous avez copulé, qui généralement est un super coup. Manque de peau. Dans les 5 minutes à la fin du coït jusqu'à quelques heures, voire 2-3 jours, il va avoir des événements fatigants. Vous allez être fatigué, des opportunités ratées, des échecs dans les entreprises, une mauvaise performance sportive, des mauvaises nouvelles. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est boycotté. Le coït est génial, le partenaire est au top, mais par contre, compatibilité énergétique, zéro. Et là, ça s'appelle le point numéro 3. Malheureusement, ce genre d'individu, même si ça se passe très bien en lit, homme, femme, il faut fuir. Parce que ça veut dire que cette personne, par contre, s'est nourrie de vous. Mais vous, vous avez carrément downé, vous avez fait un down pas possible, vous avez tout perdu. Il n'y a pas un moyen de réactualiser l'énergie de chacun, alors, de communiquer, de dire voilà. Alors si, après vous pouvez rentrer, c'est typiquement féminin de chercher à changer son prochain, hein, d'accord? Voilà, ça c'est fait. Donc oui, vous pouvez essayer de faire évoluer votre prochain, mais tu pourrais être comme ça, tu pourrais être comme ça. Donc le façonner un peu, bien sûr, parce qu'au final, il doit apprendre. Mais certaines personnes n'ont pas envie et n'ont plus l'énergie de façonner, donc ciao. Mais oui, bien sûr, un point numéro 3 peut devenir progressivement et même un point numéro 1. Donc, vous avez bien compris que 3, 2, 1, le 1, le numéro 1, c'est le numéro 1. D'accord? Bien. Oui, ça s'appelle éducation, par exemple, sur le plan religieux. Quand on éduque les gens à être fidèles, donc pas de rapport sexuel avant le mariage, il est évident qu'on ne peut pas savoir la personne si on est compatible ou pas énergétiquement. On ressent des choses, on a une même conviction spirituelle, une conviction sur plein de choses. L'éducation est un peu différente, mais on se mélange. On y arrive, c'est la faculté humaine de pouvoir justement se multiplier avec les différences d'éducation que nous avons pu voir et la culture ici. L'amour n'a pas de limite en termes de couleur de peau, c'est même pas un problème de race, il n'y a qu'une seule race, c'est les êtres humains. Mais nous sommes tous différents en termes de couleur de peau et ces mélanges sont très importants pour nous parce que c'est ce qui crée la pluri, on va dire, culture de ce que nous sommes censés devenir. Donc pas de problème pour ça. Toutefois, lorsque nous n'avons jamais fait l'amour avant et que nous nous faisons l'amour avec la personne avec qui nous nous marions, ça peut très, très mal se passer dès le départ. Ça peut être un point numéro 3 dès le départ. La culture religieuse nous invite à persévérer jusqu'à la vie, jusqu'à la fin de notre vie. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre l'un de l'autre et progressivement
le point numéro 3 passe en point numéro 2, puis du point numéro 2 en point numéro 1, et généralement ça se passe bien. Mais ce n'est pas tout le monde qui arrive Alors, à ça. Normalement, une union entre deux personnes, donc une union alchimique, sexuelle, c'est pour créer une unité. Ce qui est très important à comprendre, c'est que lorsque nous faisons l'amour, en fait, nous ne faisons qu'un. Maintenant, certains scientifiques qui se sont amusés un peu à se pencher sur le sujet ont bien vu que sur un point de vue énergétique, quand deux êtres font l'amour, ils ne forment qu'un. Il y a véritablement un mélange des flux, un mélange des fluides. Il y a vraiment un échange énergétique. Donc ça veut dire que l'un va prendre de l'autre et vice-versa. Ça veut dire que si par hasard vous faites l'amour avec une personne qui ne va pas bien, ça peut arriver, hein. On n'est pas tous attaqués, pompez l'up, super bonne nouvelle tout le temps. Non, non, il y a des mauvaises nouvelles, il y a des choses difficiles, on n'a pas dormi de la nuit, il y a toujours des choses compliquées, on fait l'amour. Et la personne qui, elle, est au top, va nourrir la personne qui est moins au top. Donc celle qui est moins au top va aller mieux. Mais celle qui est très bien va aller moins bien. Et ça crée un équilibre entre les deux. Si maintenant, toutes les fois que vous faites l'amour, il y a toujours un qui va mieux, l'autre qui va de moins en moins bien, là, il y a un problème. C'est pour ça qu'on parle de point numéro 3. Mais il y a bien une alchimie. Donc c'est pour ça que même sur le plan spirituel, certains écrits qu'on peut retrouver dans certains livres religieux et spirituels parlent bien comme quoi il y a une unité. Et lorsque l'être humain fait l'amour, il ne forme qu'un. Deux ne viennent qu'un. Donc c'est normal qu'après il y ait un partage d'énergie. Quand les deux se séparent, automatiquement il y a une séparation. Mais il y a, quand je dis séparent, c'est qu'ils arrêtent le coït. Le coït est terminé. D'accord ? Dès que le coït est terminé, hop, l'énergie générée est donnée aux deux et ils se débrouillent avec. Un petit peu comme le principe de l'égrégore. Vous savez que lorsque nous sommes deux à penser de la même manière, on génère un égrégore. Cet égrégore va donc se multiplier, mais ce n'est pas deux fois plus, mais par quatre fois plus. Ce qui fait que quand les deux se séparent de ce temps égrégorien, automatiquement, il va y avoir donc les fois 4 qui va être donné aux deux. Et ce n'est pas le fois 4 divisé par 2 qui prennent chacun fois 2. Non, c'est fois 4 aux deux. Et c'est pareil quand on fait l'amour. Mais finalement, si on n'est pas bien, si on a passé une mauvaise journée, c'est pas intéressant de faire l'amour à tout prix parce qu'on doit le faire ou parce que c'est une habitude ou quoi. Il faut vraiment être dans un état d'esprit où on se sent bien et on a envie de partager quelque chose à deux. Alors, ça, la majorité des gens ne font pas forcément ça. Alors, ça dépend de la conscience. Par exemple, vous avez passé une dure journée, vous êtes fatigué, vous rentrez, vous faites l'amour, ça va aller beaucoup mieux. Aussi. Vous voyez, ça peut être la cerise sur le gâteau. Vous avez passé une journée difficile, vous êtes pris la tête avec votre patron, vous êtes pris la tête avec vos parents, vous êtes pris la tête avec votre meilleur ami, vous rentrez, vous vous lâchez avec votre partenaire. Les problèmes n'existent plus. Et souvent, les mal de tête ou les choses comme ça, ça fait passer. Parce qu'on dit qu'on le contraire, quand on a mal à la tête, les femmes, c'est un peu l'excuse. Mais en fait, quand on a mal à la tête, faire l'amour, il se passe. Bon, s'il y a vraiment de l'amour qui circule, l'énergie, ça dissipe le mal de tête. D'accord. J'en profite aussi pour dire que souvent, quand vous avez mal à la tête, il faut boire de l'eau. Oui, c'est de la déshydratation et d'accord. De l'eau de qualité. Donc, vous savez, on ne s'appartiendra jamais. Ce n'est pas parce qu'un jour, vous porterez le nom de quelqu'un ou que vous donnerez le nom à quelqu'un que vous vous appartiendrez. Ce n'est pas possible. D'accord, vous vous appartenez déjà à vous-même. Mais par contre, c'est vous qui décidez à qui vous donnez votre exclusivité. Et vous pouvez aussi donc la reprendre. Ça veut dire qu'il y a des principes qu'il va falloir faire péter. Parce que comprendre qu'on donne une exclusivité à une personne méritante, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'à tout moment, on mérite et à tout moment, on ne mérite pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne mérite pas qu'on enlève systématiquement tout de suite l'exclusivité. Genre, attention toi, hein, tu ne mérites pas aujourd'hui. Il faut communiquer avant, bien sûr. Bien sûr, il y a quand même un travail. Mais c'est vrai que nous avons cette faculté, nous, êtres humains, de vouloir privilégier et donner, elle ou lui, exclusif. Je ne me partage pas, je n'ai pas envie de me partager. Là, j'ai envie de tout donner à elle ou tout donner à lui. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour inconditionnel. Donc, on reviendra tout à l'heure à la différence entre l'amour inconditionnel et ce type d'amour-là. Parce que c'est vrai que souvent les gens n'ont pas compris et tout le monde croit qu'il faut s'aimer tous d'amour inconditionnel. Non, absolument pas. Donc le point numéro 3, vous avez bien compris, c'est véritablement la personne avec qui ça va être méga, giga, topissime, une compatibilité charnelle au top. Mais sur le plan énergétique, c'est du boycott pur. Ces gens-là, il faut fuir. Et généralement, on s'en rend compte dès la fin du premier coït. Mais comme notre cerveau, souvent, il ne percute pas, deuxième, troisième, quatrième fois. Donc vous savez, l'être humain, il est bête. Hein. Il faut qu'on essaie plusieurs fois pour comprendre que ça ne va pas. Et à un moment donné, arrêtez d'être aveugle, ouvrez les yeux, stoppez. Le point numéro 2, c'est ce qu'on appelle le point alimentaire. Pourquoi ? Généralement, avec le point numéro 2, on ne peut pas faire notre vie. On n'avance pas avec le point numéro 2. Mais par contre, c'est intéressant parce qu'une personne qui reste sans faire l'amour, ce n'est pas bon non plus. Une personne qui ne fait jamais l'amour crée un champ énergétique qui donne une alerte à l'autre personne. Et l'autre personne, dans son épanouissement, le sent. Tiens, elle n'est pas épanouie. Et vous pouvez dire ce que vous voulez. Hein. Une personne qui n'est pas épanouie,
n'aura jamais de rapport sexuel. Par contre, une personne qui est épanouie a des rapports sexuels et excite ceux qui sont justement épanouis et qui veulent des rapports sexuels. Et donc, on sera toujours, toujours intéressé par des femmes et des hommes qui ont déjà des rapports sexuels et non pas par des hommes et des femmes qui n'en ont plus depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, parce que ça se sent qu'il n'y a plus rien comme donc, activité. Donc, l'idée, c'est d'être un homme et une femme épanouie, de commencer par être bien avec soi-même. Exactement. Donc, il y a bien avec soi-même et puis il y a aussi une alimentation sexuelle. Le sexe est véritablement une alimentation. Ça ne veut pas dire que vous devez manger tout le temps du sexe, ça veut dire qu'il faut que vous appreniez à vous alimenter avec le sexe. La nourriture, elle est partout. La nourriture est très bien sur le plan, on va dire, alimentaire, donc les aliments concrets. Ça peut être par rapport à ce qu'on voit. Vous partez en randonnée, vous voyez une super, un super vallon, de super images, ça vous rassasie. Des fois l'odeur, ce que vous sentez, vous savez, comme on dit souvent les cuisiniers, hein, ils ont tellement le nez plein de bonnes odeurs qu'ils n'ont plus faim, ils n'ont même plus envie de manger. Ils ont été nourris par ce qu'ils sentent. On peut être nourri par ce qu'on entend. Par exemple, vous avez mais très, très, très mal dormi, vous n'avez pas dormi la nuit, vous vous levez, vous avez des cernes pas possibles, vous êtes fatigué, on vous téléphone et on vous annonce une méga bonne nouvelle. Mmh. Et là, instantanément, vous avez une énergie incroyable. Et à l'inverse, ben c'est tout l'effet inverse qui se passe. Vous avez très bien dormi, vous vous levez, vous êtes en pleine forme, on vous annonce une mauvaise nouvelle, vous avez les jambes coupées, comme si vous aviez été empoisonné. Donc l'énergie peut venir aussi de ce que l'on entend. L'énergie vient de ce que l'on touche. Une étreinte, une accolade, ça redonne de l'énergie. Et le sexe est également une alimentation énergétique. Alors quand tu parles d'alimentation, ça veut dire quoi? Parce qu'il ne faut pas confondre, parce qu'on voit beaucoup d'entrepreneurs qui disent non à la pornographie, à tout ça, pour être plus focus, concentré. Et pour moi, ça fait défaut. C'est-à-dire qu'on doit penser à son partenaire ou sa partenaire et on ne doit pas penser à quelqu'un d'autre, parce qu'énergétiquement, ça ne colle pas. Enfin, tu vois, donc qu'est-ce que ça veut dire alimentation sexuelle? Ça ne veut pas dire aller chercher du sexe à tout prix. Ça veut dire que vous êtes responsable de votre alimentation comme vous êtes responsable de ce que vous allez mettre dans votre frigo pour votre bien-être. Si vous décidez de manger toujours des pizzas et des hamburgers, c'est votre problème, mais vous savez très bien que vous savez être en mauvaise santé. Donc de choisir une personne adaptée à son niveau de conscience, à son besoin. C'est ça, ça veut dire que la responsabilité de se nourrir sur le plan sexuellement vous incombe. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien manger quand vous voulez du sexe et jamais avec la même personne. Mais par contre, l'échange énergétique, c'est vous que ça regarde. Le partage énergétique, c'est vous que ça regarde. La connexion spirituelle, c'est vous que ça regarde. Donc ça veut dire que si vous ne prenez pas en compte cette forme de trinité, vous allez donc vous brûler les ailes à vous partager avec plein de partenaires différents à chaque fois, plutôt que de vous épanouir. Pour les femmes, c'est très important de faire très attention parce que quand il y a une éjaculation et qu'il y a le sperme qui reste en nous, en fait, il y a des traces qui restent pendant 6 mois. Et c'est pas bon en fait. Il faut vraiment choisir son partenaire. Ça, cette connaissance-là, ce qu'elle vient de vous dire là, c'est du très haut niveau pour moi. Je vous explique pourquoi. Parce qu'effectivement, nous laissons une empreinte énergétique. D'accord ? C'est véritablement un son. Le sperme, il reste en vous. Le vainqueur va chercher ce qu'il doit récupérer pour créer. S'il n'y a pas de vainqueur, tout le monde meurt, mais tout le monde meurt à l'intérieur. Et donc, il y a donc ce dépôt de fréquence, ce dépôt d'énergie, ce dépôt d'information qui reste en vous, que vos cellules récupèrent le temps qu'elles la traitent et qu'ils l'évacuent. Certains disent 6 mois, d'autres disent 7 ans, d'autres disent 1 an. En fait, il n'y a pas vraiment de règles, mais par contre, ça dure longtemps. Selon les corps, oui, c'est différent. C'est différent. Donc, en fait, comme on ne sait jamais quel type de corps nous sommes, mesdames, vous êtes vraiment responsables de votre énergie par rapport à vos connaissances. Comme on dit, savoir et ne pas faire, ce n'est pas savoir. Lorsque vous faites l'effort de vous enrichir de connaissances, vous devenez responsable de votre alimentation. Le point numéro 2 va donc devenir un partenaire d'hygiène. Ce n'est pas un point numéro 3, ce n'est pas l'apothéose, ce n'est pas un point numéro 1 que je vais énumérer tout à l'heure. C'est un point où ça se passe bien. On a fait l'amour, c'était fun, on se sent bien, on réalise, et là vous réalisez clairement, non, je ne peux pas faire ma vie avec, mais pour autant, j'ai personne d'autre et ça se passe bien. Et vous créez ce qu'on appelle le compromis. Avec cette notion de compromis, vous allez donc avoir ce qu'on appelle un équilibre. Grâce au point numéro 2, comme il y a quand même un épanouissement sexuel, parce que vous êtes quand même bien. Sexuel et autre. Et autre, aussi. Énergétique. Eh bien, vous attirez à vous les regards de tous les points numéro 1 potentiels. Donc, ça veut dire que pour vous, dans votre quête de recherche et d'épanouissement sur le plan de l'accouplement, c'est toujours le point numéro 1 que nous devons viser en permanence. Donc, à partir de là, se servir d'un point numéro 2, que ce soit nous les hommes ou vous les femmes en point numéro 2, c'est stratégique et c'est de bonne guerre. Parce que dans tous les cas, si je suis un point numéro 2 pour Gwen et que Gwen est un point numéro 2 pour moi,
C'est ce qu'on appelle un travail stratégique pour qu'on s'attire tous les deux le point numéro 1. Et croyez-moi que l'épanouissement énergétique au travers du sexe génère véritablement des gens qui viennent. Presque on préfère une personne qui a des rapports sexuels, parce que sur le plan énergique on se sent mieux, qu'une personne qui n'en a pas, qui se préserve. Donc en fait, vous voyez, c'est très contradictoire entre la notion de spiritualité et d'énergie, entre le fait de se préserver sexuellement et le fait de faire du sexe. Maintenant, quels sont les avantages ? Là, on parle d'attraction. On parle d'attraction. D'attraction. D'accord. Maintenant, quel avantage nous avons, avant de parler du point numéro 1, quel est l'avantage que nous avons d'avoir quand même plus de sexe du tout pendant un moment ? Eh bien, ça, c'est puissant aussi. Hein. Ah ouais. Ça s'appelle la création. C'est l'énergie de la création. Avec cette énergie-là, vu que vous ne la dépensez pas dans le sexe, votre cerveau, au bout d'un moment, a envie. On est un petit peu bestial, on a des envies, on a des besoins. Et vous savez que les véritables besoins, c'est manger, aller aux toilettes, se laver, dormir, faire l'amour. Et tous les autres, ce n'est pas des besoins. Je suis désolé, aller acheter un pull, ce n'est pas un besoin. D'accord ? Acheter une technologie, ce n'est pas un besoin. Ce sont des envies, mais ce n'est pas des besoins. Il faut bien faire la part des choses entre les envies et les besoins. Il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas ces besoins, a priori. Exactement. Soit elles sont coupées d'elles-mêmes, soit après, il y a des personnes qui sont à un niveau de conscience, un plateau, où ils sont très bien, parce qu'on a des plateaux, donc on n'est pas toujours pareil au même moment. Donc, dans cette période-là, ils ont... Ou alors des hommes qui sont focus sur quelque chose, et ce n'est pas leur besoin non plus. Donc, non. Il y a aussi des... Mais en fait, au tout départ, quand on est jeune, c'est soit le besoin est généré parce que nous avons un niveau de perversité que nous découvrons, et on nous laisse découvrir la sexualité par de la masturbation ou autre, soit on nous bride. Parce qu'on peut avoir des parents qui sont très religieux et qui vont nous brider et le sexe va devenir tabou. Et en fait, on va évoluer en vieillissant avec ces tabous. Et donc, ça va nous brider. Du coup, on va faire l'amour, on va prendre du plaisir. Mais si on peut éviter, parce que le sexe, ça devient sale pour nous. On fait croire que le sexe devient sale. Il y a des injonctions qui font que... C'est pour ça que prendre le temps, mesdames, messieurs, de faire connaissance, de discuter. Maintenant, il y a le feeling, vous avez envie de coucher le soir même, ça, c'est vous que ça regarde. Le feeling, ça se respecte. On ne peut rien dire là-dessus. Mais dans la mesure du possible, avant de céder au feeling, apprenez à vous connaître. Laissez le temps à votre organisme de checker sa partenaire avec son champ énergétique avant d'aller plus loin. Maintenant, il y a un trouble. Je n'arrive pas à cerner si c'est une bonne partenaire, mais que l'alchimie physique, il y a de l'attirance. Allez un peu plus loin, amusez-vous et profitez-en pour vous checker. De toute manière, le sexe a toujours été un outil de découverte pour l'un et pour l'autre. On apprend l'un de l'autre. Ça se respecte parce que ça s'appelle le libre arbitre et surtout, le champ d'expérience doit être vécu. Si vous devez rentrer avec une femme ou un homme qui est pervers narcissique, malheureusement, et que vous deviez vivre l'expérience de cette vie-là momentanément, c'est pour vous enrichir. Je ne vous le souhaite quand même pas, mais c'est très enrichissant. C'est vrai que les expériences, alors toutes les barrières qui nous arrivent dans la vie, les trucs lourds et tout ça, c'est des expériences qui, normalement, nous apprennent à ne pas les répéter et à grandir, à s'extraire plus haut, à augmenter son niveau de conscience. Et souvent, quand on n'a pas les outils ou on n'a pas l'environnement, pouf, on plonge. Alors que l'idée de tout ce qui nous pose problème est un problème, c'est fait pour être dépassé. Et quand on a résolu le problème, on est plus intelligent ou plus conscient. Donc ça, c'est vraiment très important de comprendre. On est tous là-dessous. Il faut vraiment qu'on apprenne à s'écouter et à se découvrir. Donc la notion de sexe, à ce niveau-là, elle reste de votre responsabilité. Mais les points numéro 2, c'est véritablement des points très intéressants parce que c'est là où on peut justement se servir de l'un et de l'autre pour attirer notre point numéro 1. Alors maintenant, le point numéro 1. Eh bien, le point numéro 1, c'est comme le point numéro 3, c'est-à-dire c'est sexuellement extraordinaire. Mais là, à la différence, à la fin du coït, on a une énergie, on a l'impression de pouvoir déplacer des montagnes, qu'on peut tout accomplir. On a l'impression que nous sommes des surhumains. Lorsque nous sentons ça, généralement, le point numéro 1, c'est là qu'il faut le garder. Maintenant, la complexité, c'est que, imaginons, je suis un point numéro 3 pour Gwen, et Gwen, elle devient mon point numéro 1, et d'un seul coup, parce que, pour moi, ce qu'elle m'a donné m'a rendu tellement fort, je vais tout faire pour la garder. Mais manque de peau, je suis son point numéro 3, je l'ai bouffé. C'est-à-dire que moi, je suis devenu super puissant, mais elle a fait un down, elle a eu le chaos technique, elle va mettre 4 jours pour s'en remettre. Les personnes dégringolent, sont épuisées. Voilà. Donc en fait, même si je vais tout faire pour devenir son point, pour qu'elle devienne mon point numéro 1, et donc je vais la garder comme une femme pour mon futur couple, ça ne matchera pas parce que malheureusement, je suis son point numéro 3. Et ça se respecte, mais comment le découvrir? Il faut s'écouter. Donc, c'est pour ça que pour découvrir véritablement
ces trois niveaux, ben malheureusement, c'est soit on se check sur le plan énergétique, soit on va plus loin que sur le plan énergétique, on s'essaie, mais il ne faut pas s'en priver d'essayer. Parce que sinon, on va perdre l'occasion de vivre des expériences déjà énergétiques de fusion et d'alchimie. Maintenant, c'est à nous de savoir avec qui on copule. Ne mangez pas à tous les râteliers, comme on dit. Arrêtez de vous disperser. Pour moi, c'est une perte d'énergie. Et en fait, on se perd. Moi, j'ai plus d'amis. On peut se perdre dedans. Ah non, on se perd. J'ai plus d'amis qui ont eu ce qu'on appelait une débauche. Hein. C'est-à-dire qu'ils avaient le lundi, ils faisaient des fois l'amour avec deux, trois femmes, puis le mardi avec deux, trois autres femmes, puis des fois, c'était chaque femme différente. Et à un moment donné, ils ne se retrouvent plus, ils sont complètement perdus. Pourquoi ? Parce qu'ils ne laissent pas le temps à l'organisme de générer l'information qu'ils ont reçue de leur partenaire. Parce que quand on reçoit l'information, des fois, on a un traitement très vivifiant, 5 minutes à la fin de coït, déjà le cerveau, il a déjà tout intégré. Boum, bim, bam, boum, il sait d'avance s'il faut continuer ou pas. Des fois, il faut 3, 4, 5 jours. Comme on a expliqué tout à l'heure que la maîtrise, on va dire, des informations au dépôt de sperme à l'intérieur, ça peut être 6 mois, ça peut être 7 ans, ça peut être 1 an. On n'est pas tous égaux au traitement d'informations génétiques que notre corps est. Chaque véhicule est différent. Eh bien, c'est pareil. Si maintenant, tous les jours, vous changez de partenaire, vous ne laissez jamais votre corps de prendre l'information et de la traiter. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, il y a une saturation et vous perdez. Déjà, vous perdez parce que vous ne savez plus qui vous êtes par rapport à votre éducation. Vous ressemblez, ça ne vous ressemble pas ce que vous faites et vous le savez. Et deuxièmement, vous perdez parce qu'il y a trop d'informations. Donc, c'est pour ça que la notion d'exclusivité est très importante parce qu'elle génère ce qu'on appelle une sécurité sur son développement mental. Oui, et une sérénité parce que du coup, quand on est une personne ou qu'on se sent bien, on peut continuer à vaquer à ses occupations et à grandir et à s'épanouir et à prospérer. Ouais. Seul et à deux, en fait. Moi, je me rappelle d'une histoire qu'on m'avait expliquée, alors bien sûr, invérifiable. Mais j'ai trouvé ça très beau. C'était donc en Égypte, on parlait donc de Isis, parce qu'elle est très, elle revient très à la mode en ce moment, Isis. D'accord ? Et Isis, forcément, elle avait son mari. Nous connaissons très bien l'histoire d'Isis et d'Osiris. Cependant, quand Osiris fut mort, Isis avait besoin, et c'était une femme qui était très portée sur la spiritualité. Et la première chose qu'elle faisait pour ne pas copuler avec n'importe qui, parce qu'elle avait forcément de l'amour, et elle était très portée sur le sexe, eh bien en fait, elle checkait le taux vibratoire de ses partenaires. Et donc, lorsqu'elle trouvait qu'elle était avec un bon partenaire et que ça matchait bien, elle restait qu'avec lui, que pour le plan sexuel. Du coup, tous les autres partenaires qui voulaient se taper Isis devaient travailler leur élévation énergétique pour avoir la chance de pouvoir se taper Isis. Donc, c'était une quête. Les hommes devenaient fous pour avoir une femme exceptionnelle, bien sûr, mais une femme, et cette femme, elle avait cette faculté, parce qu'elle avait travaillé sur elle, de savoir avec qui elle pouvait copuler. Et tant que le mec restait numéro 1, elle restait avec son numéro 1. Et elle n'allait pas avec un numéro 2 ni un numéro 3, jamais. Et ça, c'est très important. Quand on m'a expliqué ça, je dis oui, très beau. Ça veut dire que nous, les hommes, c'est à nous de travailler pour que madame se dise, oh punaise, mais lui, il faut que je me le tape parce qu'il va me donner une patate de fou. Et ça, c'est le travail de monsieur. Et si monsieur, il a la même compétence, mais il faut que moi, il faut que je me la tape, elle, parce que ça va me donner une... Et c'est ça qui est intéressant. Ça s'appelle, dans ce cas-là, rentrer dans un terrain de séduction, parce que justement, nous ressentons. Mais il est hors de question de faire de trop de compromis. Donc, règle numéro 1. Chaque personne travaille sur elle-même, donc elle est bien avec elle-même. Et quand elle s'associe, entre guillemets, ou qu'il y a une alchimie avec une autre personne, ils s'apportent encore plus mutuellement et ils vont construire quelque chose de plus grand pour eux. Exactement. Un point numéro 3, on ne sait jamais qui c'est, mais il faut essayer. Dès qu'on l'a trouvé, soyez honnête avec vous-même, ne perdez pas de temps, arrêtez tout de suite. C'est une question presque de vie ou de mort. J'exagère pas, hein, parce que quand on parle de mort, c'est pas mourir et finir dans un cercueil. C'est la mort de vie, la mort de potentiel. Donc, perdre son travail, perdre ses amis. Parce que moi j'ai connu, hein, j'ai été avec une femme pendant plus de 8 ans, mes amis se sont tous détournés de moi. Ils me disent, Sylvain, tant que tu es avec elle, nous, on ne veut plus te voir. Et je pense que vous connaissez, vous avez déjà certainement vécu cette situation. Donc, c'est très important de comprendre ça. Mais c'est, les femmes aussi, il y a aussi ce côté fatigue qui fait qu'elles n'ont plus envie de sortir, plus envie de rien faire, qu'elles ne savent pas pourquoi elles sont fatiguées. Donc, il y a le moral qui n'est pas là et tout ça. Donc, oui, elles prennent moins soin d'elles. Donc, du coup, elles se sentent moins bien. Parce que quand on... Prendre soin de soi, ça ne veut pas dire être maquillée, apprêtée. Ça veut dire faire en sorte de s'habiller de manière à se plaire au quotidien, qu'on soit seul ou en couple. Donc, c'est l'estime de soi qui en prend un coup, finalement. Le fait de l'épuisement, c'est fatal. Donc, le point numéro 1, voilà, c'est cet individu qui va donc nous amener à des hauteurs après le coït exceptionnelles. Et l'idée, c'est de tomber sur deux points numéro 1, histoire que la boucle soit bouclée. Maintenant, la consommation de sexe est très importante
vous pouvez en abuser. Vous pouvez faire 3 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois l'amour dans la journée. Si vous avez que ça à faire, faites-le. Comprenez juste ceci, c'est qu'à un moment donné, il y aura toujours de l'essoufflement. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous faites l'amour, vous créez ce qu'on appelle une manne d'énergie. Cette manne d'énergie cellulaire vous donne un élan pas possible. Et à un moment donné, il y a ce fameux essoufflement. Ce n'est pas un essoufflement en fait. C'est le corps qui dit, c'est bon, on a assez créé de fusion, on n'a plus besoin d'autant. Et d'un seul coup, vous faites moins l'amour. Mais ce n'est pas parce que vous faites moins l'amour qu'il y a un problème. Et ça, souvent, les gens ont du mal à comprendre. Non, ça veut dire que l'énergie que vous avez accumulée, maintenant, il faut le dépenser. Et quand on le dépense, on fait quoi? Des voyages, des enfants, une belle maison, construit un business. Et on utilise cette énergie dans la création et on développe à droite et à gauche. Et on devient mais alors ultra compétent. Des couteaux suisses, on stimule. Et à un moment donné, quand on a épuisé tout ce stock d'énergie, vous allez voir, le corps est naturel. Il n'a qu'une envie, on y retourne et on repart. Et c'est tout le temps comme ça que ça fonctionne. Donc même le temps où il n'y a plus de rapport sexuel, dans l'absolu, ce n'est pas grave. Surtout si vous avez emmagasiné cette belle énergie. Sur un point de vue spirituel, lorsque nous les hommes, nous excitons dans la mesure du possible la totalité des 16,8 millions capteurs sensoriels de madame, ça c'est une question de longueur, on est d'accord. Mais par contre, comprenez bien que si les femmes ont 16,8 millions de capteurs, c'est justement pour dire comme quoi que même un tout petit bout peut déjà exciter quelques millions. Et ça suffit largement. C'est la capacité que la femme a sur le volume de ses capteurs de pouvoir s'adapter à toutes les tailles de son partenaire pour ne pas se priver de partenaire. Donc elle peut trouver son plaisir de partout. Bon, on ne va pas expliquer le schéma, on va dire comment la personne elle se retrouve, parce que c'est vrai qu'il y a des tailles de vagin comme des tailles de sexe différents. Et à un moment donné, c'est une question comme si on mettait... on a l'impression d'être entré dedans. Ça, c'est une autre histoire, c'est morphologique. Donc ça aussi un des critères qui permet de savoir si on est compatible ou pas. Il ne faut pas se leurrer. Mais toutefois, cette notion de capteur sensoriel, ça veut dire qu'elle, sur son travail, sur son chakra base, ça monte ce qu'on appelle comme une kundalini. Il ne faut pas se leurrer, l'orgasme est une montée de kundalini jusqu'au chakra coronal. Madame va donc chercher pour nous notre pain. Elle va chercher notre alimentation là-haut. Elle se connecte pendant tout l'orgasme. Peu importe combien de temps ça dure, la notion d'éternité, ça peut être qu'une seconde. Une seconde peut être équivaut à 1000 ans comme 1000 ans à une seconde. Donc si l'orgasme dure 3 ou 4 secondes, n'aie pas l'impression qu'en 3 ou 4 secondes, elle n'a rien pris là-haut. Elle a pris des choses. Ensuite, ça redescend et nous qui sommes à l'intérieur, on récupère. On doit faire l'amour l'un avec l'autre, l'homme et la femme, parce qu'on va récupérer cette montée d'énergie nous est donnée. C'est comme si quelque part, madame nous donnait la béquille et qu'elle nous donnait de manière digérée ce qu'elle a reçu. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le complément. Parce que même si vous arrivez à créer ce qu'on appelle l'orgasme, parce que nous, si on se masturbe, on a notre orgasme, on ne va rien récupérer là-haut. L'alchimie se fait qu'avec deux êtres de polarité inversée, homme et femme. Et c'est parce que l'homme se sert de la femme qu'il va se nourrir par la femme, et c'est parce que la femme se sert de l'homme qu'elle va se nourrir par l'homme, parce que grâce à lui, elle est partie chercher quelque chose là-haut, qu'elle ne peut pas y aller toute seule. Et là, sans être discriminatif, en parlant par exemple d'homosexualité, femme-femme ne peut pas chercher malheureusement cette vertu spirituelle, homme-homme ne peut pas chercher cette vertu spirituelle, c'est la magie de ce qu'on appelle père éternel, c'est-à-dire père P-A-I-R-E, comme la père éternelle, l'homme et la femme, le ciel, la terre, l'union des deux qui crée l'enfant. Et c'est parce qu'il y a cette union-là que nous avons l'alchimie, l'énergie qui est générée, donc la nourriture. Vous pouvez vous mélanger autant de fois que vous voulez. Hein. Le secret restera toujours l'homme et la femme de toute manière. Mais ça n'empêche pas des hommes d'être homosexuels et de vivre une expérience extraordinaire avec un autre homme ou une femme avec une autre femme. Ça, c'est un autre niveau d'énergie. On reste dans le cadre énergétique. Il y a bien quelque chose qui se passe sur le plan énergétique. Il y a quand même un échange. Mais la spiritualité, coupée. C'est un choix, mais il faut le connaître, cette connaissance. Il faut être réel avec ça. Donc, il est important pour un sportif de ne pas faire l'amour avant la compétition, des fois quelques jours, des fois quelques mois, des fois un mois avant. Pourquoi? Pour garder cette énergie. Mais pourquoi? Parce que lorsqu'il fait l'amour, il y a ce don d'énergie, mais il y a aussi cette récupération. Normalement, si on tombe sur un point numéro 1, on peut même faire l'amour, même la veille de la compétition, qu'on gagne toutes les victoires.
mais on ne sait pas quand nous sommes avec un point numéro 1 si on n'a pas été informé d'avance. Donc c'est très compliqué, mais tant qu'on ne sait pas à l'avance, tant qu'on n'a pas reconnu notre partenaire comme un point numéro 1, je vais être obligé de me limiter. Et pour les femmes? Pareil. Pour une femme sportive de haut niveau, si elle tombe sur un partenaire qui est un point numéro 1, elle peut même avoir 5 orgasmes d'affilée, donc en apparence une très grosse dépense énergétique. Pourquoi? Parce qu'elle va faire 5 montées de Kundalini, donc elle va les monter 5 fois là-haut, donc elle va se gaver. Donc c'est très fatigant parce qu'il y a des contractions musculaires, donc c'est véritablement un effort très intense en même temps. Mais cependant, le flux énergétique qui vient derrière compenser la dépense est encore plus grand à ce moment-là. C'est pour ça qu'on parle de point numéro 1. Très intéressant. Donc du coup, vous pouvez faire l'amour avant chaque compétition, parce que vous êtes avec le bon partenaire, et vous gagnerez de toutes vos compétitions. Donc quand tu as une présentation, quelque chose d'important, dans le doute, si tu sais pas avec qui tu es, Ben, ne fais tu rien. t'abstiens. Exactement. Et si tu sais, bon bah si tu es sûr de toi, bon bah voilà, Géné c'est. Généralement, vous le sentez. Si vous savez aiguiser votre énergie, vous sentez quand votre partenaire peut être un point numéro 1. Après, c'est vous qui définissez vos limites avec vos propres principes de vie. Moi, pour ma part, il y a des principes qu'il faut péter, des principes inutiles. Mais certains principes sont nécessaires pour justement y mettre des barrières. En parlant de ça, la première barrière est donc le fameux amour inconditionnel. Ah voilà, c'est de ça qu'on voulait revenir, ok. Voilà. Je vous partage mon point de vue. Vous en faites ce que vous voulez. Tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo n'est que le fruit de mon travail et de mes recherches. Vous en faites ce que vous voulez. D'accord? Je ne dis pas que c'est la meilleure méthode de travailler sa Voilà, sexualité. prenez ce que vous avez à apprendre, c'est un partage spontané. Voilà, d'accord? Au moins on est clair, Donc hein? pour l'amour inconditionnel et l'amour Alors, conditionnel. l'amour inconditionnel, c'est l'amour que l'être humain a besoin pour tous être égaux. C'est l'amour qui est le plus horizontal possible envers son prochain. Cet amour inconditionnel, c'est celui qui va nous donner le maximum de respect. C'est-à-dire que nous allons pouvoir mettre au même rang tout le monde. Le SDF du coin, celui qui va acheter comment dire, sa baguette de pain et autres. Et cet amour inconditionnel, c'est la faculté de pouvoir parler simplement avec les gens. On voit qu'une personne est sur un banc, ce n'est pas un SDF, mais elle est triste. Votre cœur saigne pour elle, vous ne savez pas pourquoi. Vous allez vous asseoir, écoute, je ne te connais pas, mais si tu as besoin de parler, je suis là. Ça, c'est l'amour inconditionnel parce que vous êtes en train de le montrer, que vous faites avec n'importe qui. Ça devient votre nature d'être comme ça. Maintenant, pourquoi on parle d'amour inconditionnel et que l'amour charnel est conditionnel? Parce que vous ne pouvez pas copuler avec n'importe qui. Il y a des conditions. Et les conditions, c'est parce que monsieur ou madame a mérité que vous donniez à lui. Et le mérite, c'est quoi? Ben, il a fait des efforts. Il s'est bien habillé, il vous a invité, il vous a séduit de la bonne manière, il a dit ce que vous vouliez entendre, il a eu des actes qui vous conviennent, tout est bon, un alignement parfait, donc mérité, vous y allez. Tout est aligné, pourquoi se priver? Vous y allez. Alors que l'amour inconditionnel voudrait dire que techniquement, avec le même gars qui a fait tellement d'efforts incroyables pour vous mettre dans le lit, ben vous allez quand même vous donner avec celui qui n'a fait aucun effort. Ben pourquoi? Ben c'est inconditionnel. Au final, je peux me donner avec qui je veux parce qu'il n'y a pas de condition. Non, c'est pas vrai. L'être humain est capable de mesurer son amour avec ce qu'on appelle le côté un peu méritocratie. Et la méritocratie sur le plan sexuel est très importante parce qu'elle mesure le degré de l'amour inconditionnel. Avec vos amis, vous n'êtes plus dans l'amour inconditionnel. Vous avez déjà dépassé le stade. Avec votre meilleur ami, c'est encore plus que ça. Pourquoi? Parce qu'avec votre meilleur ami, vous allez dire des choses beaucoup plus précises, des rigolades, des moments intimes bien particuliers que vous n'aurez pas avec le premier venu dans le marché. Parce que les gens que nous rencontrons tous les jours sont de l'ordre de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'en fait, compte, on n'a pas fait de favoritisme. À celui-ci, il est dans la rue, il a faim, j'ai un sandwich, je vais lui donner. L'autre, elle n'est pas bien sur le banc, je ne la connais pas, je vais m'asseoir, je discute un peu avec elle. Un autre, je sais pas pourquoi, il y a un bon feeling, comment allez-vous, bonjour, ben, ça va, et vous? Ouais, ça va. Et on trace, et on a envie de parler. Et ça s'appelle mettre tout le monde au même niveau. C'est le respect minimum pour notre prochain. C'est ça l'amour inconditionnel. Tout ce qui est au-dessus n'est plus conditionnel. Tout est sous condition. Je ne me donnerai pas à une femme comme ça. Il y a des conditions. Une femme ne se donnerait pas à moi comme ça. Il y a des conditions. Et souvent, les conditions, ça se mérite. C'est pour ça qu'on doit faire des efforts. Même les oiseaux font des efforts pour avoir leur Oui. compagne. Même les oiseaux font en sorte d'avoir le plus beau nid pour avoir leur femelle. Vous imaginez un peu? Donc, l'amour inconditionnel existe que sur un seul plan. C'est pour nous mettre tous égaux, afin que nous puissions vivre en harmonie. Tout ce qui est au-dessus, c'est pour créer de l'intimité. On va maintenant parler plutôt de liaison, d'harmonisation entre spiritualité et taux vibratoire. Parce que les deux
se poussent l'un et l'autre vers le haut. En augmentant notre vie spirituelle, on augmente notre taux vibratoire. En augmentant notre taux vibratoire, on augmente la qualité de notre vie spirituelle. Et sur le plan sexuel, c'est très important, mais il y a un problème. Je vous donnais par exemple ma part. J'ai toujours été un homme qui aimait le sexe. Et quand j'étais jeune, si je pouvais niquer tout ce qui bougeait, je le faisais. Il n'y a pas de tabou avec ça. En augmentant notre connaissance spirituelle, on augmente aussi notre énergie et on augmente aussi le désir de faire l'amour. Mais le problème est là. C'est que plus on augmente notre vie spirituelle, plus on devient, entre parenthèses, compliqué. Parce qu'on va ressentir notre partenaire et on va réaliser très vite, si on reste à cette écoute-là, qu'on ne peut pas se mélanger avec tout le monde. Donc on va créer une forme de frustration. Mais cette frustration, c'est à nous de la canaliser. Un petit peu comme quand on se prive de faire l'amour pendant un mois pour obtenir un résultat. Mais c'est pareil. On va sortir avec des gens, on va côtoyer des gens, on va réaliser que ça passe pas, et pour autant le physique ça passe. Donc on va faire violence, on va essayer de rappeler une fois la personne, deux fois personne. C'est dingue, hein. C'est dingue. On sent que le physique, punaise, c'est mon style, mais et à chaque fois que vous faites le pas, ça bloque, et vous sentez pas pourquoi ça bloque. Ne forcez pas. C'est comme ça. C'est-à-dire que plus vous augmentez votre spiritualité et votre champ énergétique, plus vous aurez envie de sexe, parce que c'est véritablement une très belle nourriture, et surtout que la nourriture se transforme presque en tantrisme, en fait. Ça devient de l'art. Et on est tous accro à l'art. Faire l'amour, c'est magnifique. On a donc une alimentation beaucoup plus restreinte et modérée. Mais par contre, en échange, on a l'alimentation la meilleure du marché. Voilà, c'est ça. On a l'alimentation, la qualité, la meilleure au monde. On est quasiment sûr de faire du numéro 1 à chaque fois. Et même si on peut pas, même si on ne reste pas avec le numéro 1, parce qu'il y a diverses raisons, peut-être que Gwen est une numéro 1 pour moi, mais malheureusement, Gwen, elle part vivre en Suède. Puis elle part vivre au Japon, puis elle bouge en tout le monde entier. Donc je ne peux pas me projeter avec ce genre d'individu qui bouge en tous les sens. C'est compliqué parce que le mode de vie nous l'empêche. Et c'est OK, mais il faut le comprendre. Parce que toute personne qui fait un travail sur soi va récolter son fruit. Et un des fruits, c'est moins se nourrir parce qu'on est auto-alimenté. Tout à l'heure, on parlait d'énergie, de gens qui prenaient l'énergie de l'autre, qui fait qu'ils soient des générateurs. Ouais. Qu'est-ce que tu sais là-dessus, toi ? Je sais qu'une personne qui ne sait pas générer son énergie, donc par exemple les sportifs savent très bien générer leur énergie, ceux qui ont travaillé sur leur conscience ont naturellement de l'énergie qui génère, qui connecte, bref. Et en fait, quand tu es en contact des gens qui n'ont pas d'énergie ou qui ont des problèmes à gérer, qui ne savent pas prendre l'énergie, soit ils ne sont pas assez reposés, pas bien nourris, ils vont capter l'énergie chez nous, chez d'autres personnes. C'est le constat que j'ai fait. Il y a des personnes, des fois, je rencontre que j'adore. Je rentre chez moi, je suis fatiguée. Et je me dis, c'est vrai qu'elle n'avait pas trop dormi. OK, bon, voilà, une fois. Et les fois d'après, je vais quand même être à l'écoute de regarder, tiens, est-ce qu'elle prend l'énergie ou pas? Et c'est comme ça, petit à petit, en s'écoutant. Parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup d'énergie. Donc, je peux en redistribuer beaucoup. Mais à un moment donné, si c'est trop, ça vide de trop d'un coup, en fait, il va falloir quand même que je me remette en question de faire attention qui je côtoie. Exactement. C'est pour ça que souvent, dans les anciennes méthodes de séduction, on disait jamais de ne jamais coucher la première semaine ou ni le premier soir et de laisser un peu de temps. Parce qu'en fait, il faut laisser le temps à l'organisme de se checker. Donc, je prends du temps, je vais passer une soirée avec Gwen, on va boire un coup, on va manger, je l'invite au restaurant, je la ramène en bonne et due forme, tout va bien. Je rentre chez moi, je suis fatigué. Ah, c'est pas un bon indicateur. Mais je percute pas. Donc, je la rappelle 2-3 jours après, elle est contente de me voir. On passe de très bons moments pendant 2-3 semaines, mais à chaque fois, on constate tous les deux qu'il y en a un des deux qui est très fatigué, l'autre un peu moins, mais on ne se dynamise pas. Et vous avez tous connu comment démarre l'amour, jusqu'à quelle heure vous pouvez discuter et être dynamisé par discussion. Ça énergise énormément. Et quand oui. Ça matche avec quelqu'un, vous ne pouvez plus dormir la nuit. C'est ça. Hein. Donc, je ne me trompe pas sur mon sujet. Hein. On est clair là-dessus, hein. D'accord ? Eh bien, c'est comme ça, c'est une vérité. Donc, prenez le temps de ne pas vous donner tout de suite parce que ça laisse le temps à l'organisme de se checker. Ça fait un peu vieille école, c'est vrai. Mais par contre, c'est sain, c'est beaucoup plus sain. Mais ça ne reste que mon point de vue. Ça ne veut pas dire que ça ne m'est pas arrivé de coucher le premier soir avec la première venue parce que le feeling était là. Je répète ce que j'ai dit, hein. Quand il y a le feeling, profitez-en. Parce que peut-être que c'est quelque chose que la vie veut que vous viviez à cet instant parce qu'après, vous ne le vivrez possiblement plus jamais. Et qu'il y a quelque chose à apprendre à ce moment-là. Donc, laissez-vous guider. Quand vous êtes en couple, non. Quand vous êtes en couple, non. Parce que sinon, en fait, quand vous trompez quelqu'un, c'est vous que vous trompez. C'est à vous que vous faites du mal. Parce qu'en fait, vous allez avoir une retenue. C'est-à-dire, vous allez rentrer chez vous. Vous savez
vraiment que vous avez fait quelque chose de pas bien et vous ne pouvez pas forcément le communiquer à l'autre parce que c'est difficile à entendre, ça peut blesser. Donc vous le gardez pour vous et du coup vous vous faites du mal en permanence parce qu'à chaque fois que vous revoyez votre partenaire, eh bien vous savez que vous avez fait quelque chose. Donc petit à petit la communication, vous allez vous écarter et ça va disloquer le couple. Donc même si vous avez envie d'aller voir ailleurs, réfléchissez bien aux conséquences. Soit vous discutez avec votre couple et vous dites « bon voilà, moi j'ai une envie d'aller voir ailleurs, peut-être faudrait qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut améliorer entre nous, qu'est-ce qu'on ne fait plus ensemble, ou alors est-ce que c'est le moment de se séparer ?» Mais il faut communiquer pour soit améliorer son couple, soit se dire « ben non, là, le chemin qu'on a fait ensemble, c'est fini, peut-être j'ai envie de passer à autre chose. » Mais de le faire, de tromper quelqu'un, en fait, vous vous mettez une balle dans le pied, mais très, très, très fort. Alors, j'ai un point de vue différent à ce sujet, mais je rejoins un peu quand même ce langage-là, parce que la seule personne que vous trompez, c'est vous-même. En fait, c'est vous qui vous trompez. On ne trompe jamais son partenaire. Donc, pour moi, mon point de vue, je suis en couple, la personne va voir ailleurs, elle ne m'a pas trompé. Pour moi, elle ne m'a pas trompé. Elle se trompe possiblement. Moi, personnellement, elle ne me trompe pas. Maintenant, comprenez bien ceci. Souvent, c'est difficile de clarifier ce qui ne va pas dans votre couple. Donc, on sait quelque chose qui ne va pas, mais on n'arrive pas. Fatalité, l'univers vous envoie un homme, vous êtes madame, l'univers vous envoie un homme qui rentre dans l'équation, ce qu'on appelle sur l'échiquier. Ok, vous êtes sur l'échiquier. Cet homme, il vous séduit et vous sentez l'attirance charnelle qui se passe parce qu'il appuie sur beaucoup de boutons que votre conjoint n'appuie plus, soit parce que monsieur a considéré que c'était une chose acquise de vous avoir, ce qui peut arriver, soit parce que tout simplement, ben, en fait, il a perdu tout simplement cette notion, il est ailleurs, il est peut-être dans son travail, il est à fond dans son travail, et des fois, on ne se rend pas compte que nous évoluons dans une direction et on néglige. Vous savez que l'obsession, c'est un cadre très intéressant, c'est là où on développe le plus d'énergie, mais l'obsession crée une négligence d'un côté. Mais malheureusement, c'est la chose qu'on va utiliser pour créer le plus de choses. C'est que les obsédés qui réussissent à des choses incroyables, mais quand on est obsédé à l'obtention d'une chose, on néglige et on peut tout perdre à côté. Mais on réussit par contre à coup sûr ce que l'on entreprend. Toutefois, la femme qui ne sait pas clarifier ce qui ne va pas avec son couple va donc le clarifier avec cet individu. Soit elle va créer un jardin secret, donc c'est-à-dire qu'elle va avoir des échanges avec ce partenaire et qu'elle va pouvoir comprendre, et là, dans son échange énergétique, combien de temps elle va pouvoir rester avec ce jardin secret, si c'est un point numéro 2 ou un point numéro 3, si c'est même un point numéro 1, qui va donc clarifier que la personne avec qui elle était depuis des années, c'était un point numéro 2. Donc, elle a peut-être tout intérêt de quitter le point numéro 2 pour être dans son point numéro 1. Mais il faut beaucoup de courage. Hein. C'est du courage de comprendre ça et d'avoir cette clarté d'esprit. Cette clairvoyance, c'est compliqué. Toutefois, si avec cette personne-là, elle a compris que finalement, elle aimait davantage son mari, c'est-à-dire qu'en fait, ce point, ben, c'est un point numéro 3 ou un point numéro 2, cette expérience peut aussi servir de valorisation. Oui, elle peut s'apercevoir ou il peut s'apercevoir que finalement la personne était très bien. Mais c'est vrai que moi je suis assez pure, mais c'est bien d'avoir ce deuxième point de vue qui est très intéressant aussi. Et comme ça, vous avez deux points de vue différents. Moi je sais je suis convaincue qu'on se fait du mal quand on va voir ailleurs et qu'on revient et qu'on se dit en fait, mais j'ai une chance incroyable, mais voilà. Elle vient de dire quelque chose d'intéressant. Ouais, ouais. Elle a constaté qu'en allant voir ailleurs, elle a une chance incroyable d'être avec monsieur. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne se rendait plus compte qu'elle avait une chance incroyable. Et c'est malheureusement cette découverte ailleurs qui lui a fait du mal, parce qu'elle s'est trompée, et non pas elle l'a trompée, qui a clarifié que monsieur est exceptionnel. Et là, c'est à vous. Mais normalement, on n'a pas besoin d'aller jusque-là. On a besoin de discuter, de « voilà, je suis attirée ». En fait, il faut se comprendre soi. Moi, j'aime bien comprendre pourquoi j'ai un truc ou j'ai des objets ou j'ai une manière de vivre où je vis dans un environnement et je suis attirée par quelque chose d'extérieur. Qu'est-ce qui me manque vraiment? Cette démarche-là est aussi intéressante. Après, on peut, comme on est sur Terre pour expérimenter, on peut expérimenter des expériences et tout ça, je suis d'accord. Mais quand on travaille sur la conscience, on peut le faire aussi soi-même. C'est ce qui est intéressant, c'est la capacité de communication. Il n'y a pas beaucoup de monde qui savent communiquer. Et d'autres, des personnes comme Gwen qui savent communiquer. Donc, si elle sent effectivement qu'elle a une attractivité envers quelqu'un d'autre, elle, ça va percuter. Elle va dire, bon, là, il faut que je prévienne quand même mon partenaire. Pas forcément prévenir, parce que des fois, ça peut blesser et casser un couple. Mais se dire, ah, mais c'est... Qu'est-ce qui se passe? Là, je mets tout à plat. Et puis, parfois, de communiquer avec une amie, avec des potes, ou même avec son partenaire, s'il est ouvert, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Mais toujours est-il, c'est que la communication va permettre déjà d'être honnête avec l'autre partenaire en lui donnant une chance de dire « Écoute, Coco,
Là, nous sommes en partie d'échecs. Toi, tu es le roi, je suis la reine, mais il y a un autre roi qui rentre en jeu. Possiblement, il veut bouffer la reine. D'accord? Donc, il va falloir qu'à un moment donné, tu puisses te comporter, Se réajuster se si réajuster. nécessaire. Pour ma part, je pars du principe qu'à partir du moment où on comprend que la femme n'est jamais acquise, même si elle porte son prénom, son nom de famille, comme je l'ai dit au début, on est censé la séduire tous les jours. Par exemple, l'idée, c'est de travailler à ce que même 10 ans qui passent, même 15 ans qui passent, chaque jour est considéré comme si c'était hier qu'on s'était rencontré. Donc toujours dans la séduction. Ça, c'est un vrai défi. C'est pour Ouais. ça que, en fait, on ne maintient pas un couple, on le crée. Tous les jours. C'est de la création. Disons, par exemple, quand vous avez une maison, vous n'allez pas juste la maintenir parce qu'elle va tout le temps, elle va à un moment donné tomber en ruine. Même si vous faites toujours le ménage et tout, il y a des choses qui vont se délabrer, qu'il va falloir remettre au goût du jour ou améliorer. Ben dans le couple, c'est pareil. C'est de la création. En fait, il faut créer. Parce que quand on est dans du renouveau avec un nouveau couple, on va créer, on va avoir des idées et tout. Tout à fait. En fait, le danger que nous pouvons retrouver à chaque fois, c'est vous savez, ce qu'on appelle le feu du premier amour. Et ça, c'est vraiment magnifique, mais il y en a qui ne mangent que de ça. Donc, vous allez donc trouver votre partenaire, on va s'exciter sur l'énergie que nous créons ensemble. Le temps passe, au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, des fois plus tôt, hein. Des fois beaucoup plus tard, des fois même au bout de 15 ans, des fois même jamais. Moi, j'ai connu des gens 20 ans, 25 ans qui sont ensemble, ils sont toujours sous le feu du premier amour, tant mieux. Mais tant que ça ne retombe pas, c'est le but. Mais à un moment donné, quand ça retombe, il se passe une chose. Les personnes n'ont pas compris que la dimension d'énergie que le feu a générée, un peu comme le quid que j'expliquais tout à l'heure, c'est censé pour donner suffisamment d'élan énergétique pour construire l'avenir. Donc quand bien même le feu du premier amour n'est plus là, quand bien même la dimension sexuelle n'est plus la même, donc ce qu'on parle en termes de fréquence de répétition, automatiquement, ça a suffisamment d'énergie, générer suffisamment d'énergie pour quand même créer un avenir potentiel. Maintenant, ceux qui sont à fond dans le premier amour, dès qu'il n'est plus, quelqu'un rentre dans l'échiquier, il vous régénère un feu de premier amour, vous quittez celui-ci pour créer un autre feu de premier amour. Généralement, à 80%, il y a quand même 20% de marge, c'est quand même pas mal, mais 80%, les gens qui vivent que sous le premier amour ne construisent jamais d'avenir. Ce qui fait qu'à un moment donné, quand ils viennent vieux, ils disent, mais en fait, j'ai jamais eu de femme, j'ai jamais eu vraiment une femme attitrée, j'en ai eu plein. Puis j'ai peut-être fait plein d'enfants aussi, parce que souvent, mais du coup, on a trop d'enfants. Mais au final, on n'a pas de famille avec qui on a pu donner l'image d'un père et d'une mère concrètement parlant aux enfants qu'on a générés, parce qu'en fait, on a plein de mamans, on a rendu des femmes plein de femmes des mamans, et on a plein d'enfants qui ne sont pas de la même femme. Donc c'est compliqué. Donc l'idée, c'est comment vous voyez votre évolution physique et charnelle sur Terre. En développement, donc familial, et essayer de le reproduire au mieux possible. Moi, pour avoir eu quelques couples, bon, à chaque fois c'était quand même des longues relations, la dernière, j'ai dit, voilà, moi j'attends ça. Qu'est-ce que toi tu attends? De mettre les cartes sur table C'est pas mal avant ça. de commencer quoi que ce soit. Parce que C'est pas mal ça. déjà, quand un couple est orienté vers les mêmes buts, ou alors on va répondre chacun à nos besoins déjà de base, et si l'alchimie est là, évidemment, c'est pas le premier venu, tu vois qu'il y a l'alchimie. Tu te dis, ok, cette personne-là me plaît. Maintenant, est-ce que dans le quotidien, est-ce que dans mon futur, ça va vers la vision que j'ai envie d'avoir? Et donc moi, je dis, ben voilà, je veux ça, mes besoins, c'est ça. Et toi, est-ce que tu t'en sens capable? Et toi, quels sont tes besoins? Et moi, est-ce que je m'en sens capable? Ou est-ce que je me sens de progresser? Est-ce que l'homme se sent de progresser? Moi, maintenant, faut mettre les bases, parce qu'on se ment, il y a la séduction, on se monte sous des masques. En fait, c'est bien le côté séduction, mais quand à un moment donné, tu as envie de construire, je parle pas forcément pour les jeunes, et quoique maintenant, il y a des gens qui veulent. Bah, tu dis, voilà, et puis même si c'est pour 5 ans, même si c'est un temps court ou plus long, au moins, vous avez vécu sur les mêmes bases, en fait. Et ça, je trouve ça intéressant. Bah, moi, maintenant, c'est ce que j'ai adopté. Pour ma part, je pense que le terrain de la séduction doit être tous les jours, toute la vie. Même si on vieillit et qu'effectivement on perd un petit peu notre beauté, parce qu'on fane, hein, qu'on le veuille ou non, on doit toujours séduire notre partenaire. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que c'est ce qui va mettre en considération, on va dire, l'individu. C'est en fait, je dois reconnaître la personne avec qui je suis, parce que de toute manière, en la reconnaissant, je me reconnais. En donnant sexuellement, ce fameux devoir conjugal que j'ai parlé tout à l'heure, qu'on soit marié ou non, on est quelque part responsable de l'épanouissement sexuel de notre partenaire. Par exemple, vous êtes en couple, messieurs, ça peut arriver que vous n'ayez pas envie de faire l'amour, madame a envie, que vous vouliez ou non,
allez-y. Là, c'est un devoir. S'il y en a un des deux qui ne veut pas, mais l'autre veut, c'est bête à dire. N'attendez Ça pas d'être. se discute parce que ça. Bon, après, il y a beaucoup de. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de choses sur l'intégrité de la personne, la femme. Il y a beaucoup les femmes qui sont des objets, qui doivent se donner pour avoir, je ne sais pas, tout l'environnement qui va avec. Mais Non, pas ça non plus, oui, sérieux. non, mais ce n'est pas ça. Non, mais Ça, c'est encore autre je chose. pose le sujet. En fait, une personne, si elle n'a pas envie, elle doit être capable d'entendre. Donc c'est bien, on a un petit débat là. Donc l'homme, s'il n'a pas envie, qu'il est fatigué, qu'il rentre du boulot, bah, la femme doit être capable d'entendre ça et vice-versa. Pour moi, il n'y a pas de souci. Je pars du principe que dans la mesure du possible, lorsqu'il y en a un des deux qui peut, enfin qui veut et que l'autre n'a pas envie, il doit travailler sur lui pour toujours trouver le moyen de satisfaire. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il doit satisfaire à l'instant T de l'envie. Il doit quand même prendre conscience que madame a envie. Par exemple, imaginons, je rentre du travail, il est donc 18h30, ma compagne me fait comprendre qu'elle a une envie terriblement. Déjà, ça c'est beau, ça veut dire qu'elle me désire. Rappelez-vous ça, c'est vraiment intéressant de se sentir désiré. Maintenant, je suis fatigué, j'ai eu une dure journée. Là, tout de suite, maintenant, à l'instant T, je ne vais pas pouvoir, mais j'ai intégré. Du coup, je vais me détendre, elle va me détendre, on va manger un bout et tranquillement, je réponds. Petit ajout pour clarifier. Une chose est sûre, c'est que vous ne devez rien à personne, et encore moins votre corps, votre intégrité. Ce que voulait transmettre Sylvain, c'est l'idée de ne pas laisser le couple se faner. Parce que l'amour, finalement, c'est de l'action. L'action de communication, c'est l'échange, c'est l'action de tendresse, c'est l'action de rendre service ou de cadeau, peu importe votre langage d'amour. L'idée, c'est l'envie de se faire plaisir et ou l'envie de se faire plaisir en faisant plaisir à l'autre. Et nous, en tant que femmes, qu'on le veuille ou non, on a besoin de se sentir en sécurité dans notre corps et de sentir que notre partenaire est sécurisant. Sinon, on va avoir du mal à se laisser aller. Donc, c'est à vous aussi de créer cet environnement favorable de joie, de légèreté, de sécurité, de fluidité, de sérénité. Et comment on crée cet environnement favorable? Déjà à l'intérieur de soi. À l'intérieur de soi, c'est en allant voir ses peurs, en transmutant ses traumas, en faisant le job. À l'extérieur de soi, c'est en faisant les bons choix, de créer l'environnement extérieur, les vêtements dans lesquels vous sentez bien, de choisir évidemment le bon compagnon. Donc, ça ne dépend que de nous. Et en effet, de ne pas laisser faner le couple, donc de continuer les actions qui a fait que le couple fonctionnait au départ. Si on ne continue pas de créer, l'homme ou la femme peut se dire, bon, je suis moins vue, moins écoutée, moins touchée, moins ceci, cela, et donc à y voir ailleurs. Donc, il transmettait son message dans le sens de continuer de créer le couple, mais pas de se donner si on n'a pas envie. Mais c'était plutôt de créer l'environnement. Faire son devoir conjugal, vu comment tu l'as Non, ça présenté, va. c'est chaud. C'est pas non plus ça, c'est pas sur demande. Mais par contre, on doit être à l'écoute. C'est-à-dire qu'il ne faut pas créer la demande. Faut pas non plus répondre trop tard. Vous savez, les femmes, pour moi, hein, toutes les femmes que j'ai connues, j'en ai pas connu des millions, mais le peu que j'ai connu ont toutes réagi pareil, au moment où elles ont un désir. Si on ne répond pas présent dans un certain laps de temps, le désir, elles l'ont plus. Et nous, quand on se pointe à ce moment-là parce qu'on a envie, ah ben c'est trop tard, coco. J'ai plus envie. Ah oui, c'est tout Et là, on l'a nous derrière l'oreille. Mais le truc, c'est que pour nous, c'est plus compliqué, nous, en tant qu'hommes, de l'avoir derrière l'oreille, qu'elles, les femmes, c'est différent. Leur circulation énergétique interne n'est pas la même que nous. Donc c'est pour ça que nous, en tant qu'hommes, pour ma part, avec l'éducation, je crois clairement que le monde est véritablement gouverné par les femmes. C'est vraiment les femmes qui doivent dominer en termes de présence, mais de la bonne manière. Ça veut dire qu'elles ne sont pas censées nous manipuler par le bout du nez. Elles sont censées nous manipuler pour tirer de nous le meilleur. Et nous, on doit amener la sécurité, la force et la stabilité. Ça s'appelle la complémentarité. À partir de là, on est aux petits soins. Vous savez, nous, on a un proverbe qui dit, hein, chez les hommes, hein, ce que femme veut, Dieu veut. Et c'est pas rien si ce proverbe existe. C'est-à-dire qu'on doit considérer la femme à un certain niveau, presque à l'égal de Dieu sur certains domaines, et donc on doit être à leur écoute. Et non pas à être macho, à leur couper la parole, mais t'es qui femme, t'as pas le droit. Non. La notion de sexe est véritablement sur un niveau d'ego. Et rappelez-vous une chose, vous pouvez faire ce que vous voulez, moi c'est mon point de vue, hein. Mais si madame ne veut pas de moi, je ne peux rien faire. Et ça, il faut écouter. Par contre, ce qui est très étonnant, c'est que si madame veut d'un homme, là l'homme, il a du mal à dire non. Il ne va pas dire ah non, je ne connais pas.
La femme, elle est un peu. Les femmes ont un très grand pouvoir. Il y en a qui savent l'utiliser Voilà. à mauvais escient, il y en a qui savent l'utiliser à bon escient, Voilà. il y en a qui ne savent pas du tout l'utiliser. Voilà. Et en fait, il faut, homme comme femme, jamais aller dans le dénigrement pour avoir ce qu'on veut. Il faut plutôt apporter, ben moi je suis vraiment sur la communication pour le coup, je m'aperçois là. C'est plutôt de dire, bon voilà, quand tu fais ça me fait ça, je ne me sens pas bien. Et donc si la personne, elle comprend. Quand il fait ça, ah, elle se sent pas bien, l'homme a envie de rendre la femme heureuse, c'est comme ça. Et nous, si on dit, ah, tu fais ça, j'en ai marre, tu me fais chier, ou des trucs comme ça, forcément que ça n'a pas valorisé l'homme. Et donc, quand tu fais ça me fait pas du bien, je me sens pas très bien, mais si tu faisais ça, ou si tu fais quelque chose comme ça me fait me sentir bien, je me sens rayonnant, je me sens joyeuse, j'ai envie d'être plus près de toi, et tout ça. Donc l'homme, il va intégrer ça et quand il le fait, il faut lui le valider, il faut lui dire, ah ben ouais, j'adore quand tu fais ça. Mais pas être dans cette dénigration parce que les femmes, elles aiment bien être très cassantes et en effet, l'homme, ça le casse, ça le casse, ça le casse et à un moment donné, il en a ras-le-bol. En fait, je ne vais pas vous parler de clichés comme chaque discussion de sexualité homme-femme, on va mettre toujours sur la table le fameux livre Mars et Vénus. Là, je vais vous parler directement d'un sketch que j'ai beaucoup aimé, que vous avez tapé sur YouTube, qui s'appelle L'homme est un dauphin. Ah, je connais pas. Ah, il est exceptionnel. Et vous allez voir comment on parle d'un autre point de vue rigolo, Un dauphin. que l'homme est un dauphin et un dauphin a besoin de poisson. Mais la femme n'est pas un dauphin et la femme n'a pas besoin de poisson, elle a besoin d'autre chose. Et le gars qui fait ce sketch est exceptionnel parce qu'il explique en quelques minutes comment nous devons travailler et c'est exactement ça. Donc au lieu de parler de l'homme vient de Mars et la femme de Vénus, je vous dirais, restez sur le principe que l'homme est un dauphin. Maintenant, vous voulez en savoir plus, allez voir ce sketch. C'est très instructif sur nous les hommes, mais c'est très instructif aussi sur les femmes parce que dedans, il révèle ce que la femme est aussi et comment nous, en tant qu'hommes, nous, entre parenthèses, devons agir. Parce que c'est pas parce que nous, on a besoin de poisson qu'elles, elles vont bouffer du poisson. Parce qu'elles, le poisson, elles nous le foutent dans la gueule. Hein. Voilà, donc on va terminer sur le sketch que je vais d'ailleurs aller voir. Merci beaucoup Sylvain. J'espère que ça vous a plus. Prenez ce qui vous semble juste. Hein. On est tous différents. Là, on a partagé un point de vue spontané. Et on vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Au plaisir.